Et salut à tous, c'est Steph, et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Assassin's Creed Unity. Aujourd'hui non, on ne chasse pas le brigand, on va continuer notre aventure. Encore une mise à jour sur Ghost Recon, mais toujours pas sorti. Oui, parce que je fais cet épisode en même, juste après le précédent que vous avez vu, si vous l'avez vu. Vous l'avez pas vu, je vous invite à le voir. Allez, on continue la séquence 2, donc les halles au blé de Paris. Et on va explorer les halles au blé, découvrir ce que prépare la fronnière. Allez, c'est parti. C'est parti pour cette mémoire 2. À nous deux, la fronnière. La fronnière. Ils disent la fronnière, alors c'est la fronnière. Je sais pas. On dirait qu'il dit la fronnière. Enfin bon, bref. Ça n'a aucune importance. Boum, le petit saut de l'ange. Voilà, ouais, je sens qu'il y a un effet visuel ultra flashy. Déjà, il y a deux gugus à l'entrée. Essayer d'esquiver l'entrée un peu. Voir si on peut pas trouver un moyen de passer. Ouais, pas trop de moyens de passer là. Ah, mais c'est vrai qu'on a la compétence déguisement. Je sais pas si du coup depuis tout à l'heure. Ah. Viens ici, espèce de lâche, et tout de suite. On a trouvé les deux guignols ici, là, mais. Mais, on a vu qu'on pouvait peut-être passer en dessous de. Ils sont en train de se fighter. On va essayer de. Gaspiller ainsi son énergie. Alors, là, ce serait pas le bon côté pour attaquer. Ce serait pas le bon côté, il n'y a pas moyen de passer ici. Là, il y a un accès. Hop. Encore la mise à jour pour Ghost Recon. Désolé, ça s'affiche tout le temps. Hein. Que voulez-vous dire par là? Comprenons bien, je ne parle pas de vous deux. J'espère bien. Allez, on va faire ça. Et on va passer en dessous par ici. Il y a deux gars à l'entrée. Il y a deux gars qui patrouillent. Il y a un peu plus de gars que ça. Voir s'il n'y a pas un chemin vers l'autre côté. Ok, un ou deux gars qui sont tout seuls par là. Je déteste cet endroit. J'ai toujours l'impression que quelque chose va me tomber sur la tête. Très curieux. C'est pas bête, ça. Étrange. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un? Ah, le con. Ah, le con. Allez, descend. Bon, c'est pas grave, hein, on va affronter tout le monde. Wow. On peut l'assassiner celui-là, oui c'est bon, c'est fait. Voilà. Attends, je vais le tuer, parce que... Il n'y a pas de raison qu'il y ait des vivants. Voilà. Comme ça c'est fait. Voilà, c'est des méchants, il faut les tuer, c'est des méchants. Hein. Pas de mystère. C'est vrai que j'ai... Ah oui, c'est vrai que... C'est marqué à côté de mon nom, là où j'ai la compétence... compétence furtivité. Que j'aurais pu utiliser du coup. Ça n'a pas marché très longtemps, mais... Ça marche sur les morts aussi. C'est une bonne idée de savoir si ça marche sur les morts. Si je fais ça, non, ça ne marche pas sur les morts. C'est con. Ça aurait été utile sur les morts. Je suppose que dès qu'on court, ça se désactive ou un truc comme ça.
Ah mais il y a des snipers. Ah oui, il y a un sniper là-haut. On va éviter. Bon, ici, il n'y avait rien, en fait. Ici, il n'y avait absolument rien. D'accord. C'était juste manière de... manière d'avoir un accès. Voilà. Tu peux pas sauter par là ? Si tu peux pas le faire, alors je vais pas te forcer, mon petit. Tu fais ce que tu veux. Une cloche d'alerte dans le secteur. Hop, on va la péter. Toutes ces armes ne me disent rien qui vaille. La première doit préparer une action. Beaucoup d'armes, beaucoup d'ennemis. Là, tiens. Il y a beaucoup d'ennemis, qu'est-ce qu'on peut faire? Merde. Voilà. Réveillez maintenant. Qu'est-ce que vous êtes malade? Se réveiller. Hey, reste là, citoyen. Ils vont se battre, on va les laisser se battre. Et il en a tué, hein, c'est bien. Efficacité. Le mec, il est en train de gueuler, tu sais. Tout le monde s'en fout. Mais tout le monde s'en fout. Attends, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se cacher. Alors. Ouais, il l'a tué. Ah bah, GG. Le mec, il range son truc, il range son pic à glace, et puis... ça s'arrache. Et puis tranquille, tu vois. Pour pas stresser de la vie, tu vois. Il y a un mec qui est devait être à côté de lui, tu sais, il s'est mis à tuer tout le monde, mais ça arrive, hein, dépression nerveuse. Ce sont des choses qui arrivent. En plus, il fait une petite sieste, tu sais, le mec qui repart à la sieste. Tranquille. Non, mais il n'y a absolument aucun problème. Meurtre au pistolet, on me demande de tuer des gens au pistolet. C'est pas discret. Si j'ai pas envie de tuer des gens au pistolet. Puis ça va s'entendre. Vous vous rendez pas compte? Il y a moyen de monter par là, oui. Psst, regarde ce que j'ai trouvé. C'est du... un château type 74. La seule chose qui peut rendre ce travail supportable. Si le capitaine voit ça... il serait mieux d'aller le boire derrière. J'avais vu. Si on nous prend, on dira qu'on a vu une entrée sans secours. Eh ben non, il n'y a pas de problème avec ça. Hein. Je vous ai sauvé la vie, les gars. Vous n'aurez pas besoin de trouver d'excuses. D'accord. Bien essayé, mais je vais t'attraper. Voilà. Je suis sur tes talons. Ah, mais il est... ah. Décale pas, mon gars, tu vas pas me voir. Hein. Attends, peut-être que lui. Non, ils font le tour. Ils sont bien sages, hein. Ils sont bien gentils. Ils font le tour. Ah là, ils sont un peu loin pour leur tirer dessus au pistolet. Disparition. Voilà. Les mecs, ils m'ont perdu tout seul, en fait. J'étais là, mais ils m'ont perdu tout seul. On n'a même pas eu besoin de mon aide. Parce que si je fais un tir à la tête... ça marche un tir à la tête? Bah non, il est reparti faire la sieste. Il est reparti faire la sieste. Qu'est-ce qu'il fait l'autre? L'autre... ah d'accord, l'autre il est gêné par les collègues. Alors si on fait un headshot... ça marche. Ça marche relativement bien. Je sais pas. Je sais pas, moi je trouverais ça louche. D'accord, mais il est en plein bug l'autre. Il est en plein bug.
Est-ce que j'en ai bien des... Ah, j'en ai des grenades étourdissantes. Il ne va plus tenir très longtemps. Quoi? Ah ah, l'esquive! Tiens! Ça, tu vas souffrir! La petite balle à travers le corps. Enfin, le pistolet à travers le corps qui arrive à tirer sur le gars qui est devant lui. J'ai des balles à tête chercheuse, moi. Même pas, tu peux tester. Voilà, de toute manière, ma balle n'est pas chargée. Pourquoi mon petit, tu ne veux pas charger? Garde, il y a un détrousseur ici. Mais non, c'est... j'emprunte, je ne détrousse pas, j'emprunte. Et tu sais même pas faire la différence. Ah. Hein. Alors, c'est par où la sortie? Bon, maintenant c'est bon. Maintenant qu'on a fait les objectifs, on peut tranquillement explorer la zone. Explorer la Hollow Blade. Donc on va peut-être explorer par là. Voir un petit peu qu'est-ce qui se trame par-ci, par-là. Mais il y avait une échelle. Petit plan à examiner. Non, c'est un livre, tant pour moi. Quoi qu'il prépare, il a prévu grand. C'est absolument illisible. Maintenant, je sais où te trouver, grand maître. C'est absolument illisible, hein. Je sais pas comment il a fait pour lire. La texture était tellement dégueulasse. Il me semble bien dangereux de laisser traîner ses armes. Mais dis pas qu'il va faire ça. Nom de Dieu! Les réserves de poudre, elles vont sauter! Mais bien sûr, pourquoi rien n'est jamais simple? Et en même temps, t'es un peu bête, hein? Tu t'attendais à quoi, mon petit loulou? Hop là! C'est pas très intelligent. Ça fait mal. J'aurais peut-être dû y réfléchir davantage. Bah ouais. Parce que moi ça me paraît con, tu vois. En plus il l'a dit lui-même, hein. Tu veux pas monter là. Voilà. C'est bien dit. Et pourquoi on est obligé de monter jusqu'à tout là-haut? Pas par là, pas du tout. Allez. Monte, mon petit Arnaud, monte! Comme si le feu allait te brûler, les gars. Mieux pas tomber, hein, je te le dis, mon petit loup. Non. C'était très bien, très bien sur ton morceau là. Voilà. Non, mais là-haut, monte là-haut. Monte là-haut, là, voilà. C'est bien, mon petit loulou. Voilà.
Mais dis donc. Cache-toi au cœur de la foule. Bon. Le mec il se relève, tu sais même pas essouffler, puis... Ouais, cache-toi au cœur de la foule, t'sais. Tranquille, tu sais. Le mec il a pas failli mourir il y a 2 secondes, tu vois. Même pas essoufflé, rien du tout. Quel homme ! Mais quel homme ! Mais quel homme ! Là, ici, il y avait un truc d'observation. Qui était là, d'ailleurs. Bon, mais en tout cas, on va s'arrêter ici pour cet épisode. Ça fait peut-être un peu court. On va se faire peut-être une petite mission. Puisqu'il y a une mission à côté. La liberté au féminin. Mission compagnon. Je sais pas qu'est-ce que c'est. On va faire ça. Assassiner votre cible, c'est une mission qui paraît relativement simple. On va se faire ça avant de se quitter quand même. Mon coffre est plein, je sais. Je sais. Je fais ce que je peux, excusez-moi. Vous avez vu cet incendie? C'est incroyable, hein. C'est la folie. Ah ouais, tout à l'heure j'ai vu ça aussi, des types qui portent un autre gars, tu sais. On va voir qu'est-ce qu'ils font. Bon, on va faire ça comme mission. Tuer la cible. Cible éliminée. Alors, cible elle est par là. Ça me paraît assez simple. Hop. La cible se déplace. On va chercher compliqué et on va aller tuer la cible en hauteur parce que ça fait toujours plaisir. Ah ben là je peux pas la tuer, d'accord. Là je peux la tuer. Oui. Excellent. Et voilà. Et voilà, c'est parfait. Comment gagner 1500 balles facilement? Bah, c'était un méchant, vous inquiétez pas les gens. C'était un méchant. Il n'y a aucun problème. Tout est sous contrôle. Tuyau éventé. Assassiner votre cible. Mais on va faire un autre petit assassinat puisque c'est totalement gratuit. Puis que ça nous permet de gagner beaucoup d'argent. Wow. Non mais le gars il assassine des types comme ça, tu vois, je crois que je vais le laisser faire. Allez, on va faire cette mission, enfin c'était relativement simple, hein. Je m'attendais pas à une simplicité pareille. Je m'attendais à un truc un peu plus élaboré, mais si tu veux, c'est comme ça. C'est la vie. C'est dommage quand même qu'il y ait des retards d'affichage un peu. Ils auraient pu faire une version un peu plus poussée sur PC, tu vois. Allez, 1500 balles, il faut tuer un mec qui se déplace aussi. Il faut tuer le criminel. Voilà, ça au moins c'est fait. Voilà, on va se déguiser, on va utiliser le... Ah d'accord, dès qu'on court en fait quand on a le déguisement. Voilà, c'est fait. C'est quoi ces missions? Mais non, c'était pas un meurtre. C'est pas un meurtre. Il a tué des gens avant. Donc je suis un justicier et pas un meurtrier. Tu as compris la nuance? Tu as compris la nuance? Voilà. Tout ça pour un coffre. C'était aussi des meurtriers. Vous voyez, en fait, le cooldown, je crois qu'il a marqué à côté du nom en haut à gauche. Ouais. Ouais. C'est ça, j'ai l'impression que la petite icône, tu vois, il remonte un petit à petit. Bon, ben voilà, ben, je pense qu'on va quand même s'arrêter là, au moins qu'on en a une petite autre. Allez, assassinez votre cible. C'est des missions relativement simples, hein. Putain, c'est quoi ce truc? Le mec disait. Le mec, il se laisse tomber, tu sais, dans le tas de foin. Qu'est-ce qu'il a, ce mec? Il aime bien les tas de foin, c'est tout. 1500 balles, évidemment, on gagne bien sa vie dans ce jeu. On va bien gagner 1500€ en faisant ça. Surtout qu'ils sont pas loin, quoi. Pas comme s'ils étaient loin. On va essayer de trouver une petite fenêtre. Tu veux que je vienne te mettre en pièces, crétin ? On va essayer de...
De pas, se faire voir quand même. Allez, mais c'est là, on sait. Mais non. Allez, allez, monte. Non, 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 non. Descends là. La descend, voilà. C'est bien. Je pense que tu te trompes d'adresse, citoyen. Pardon ? Je me trompe d'adresse ? Ah, pardon, excusez-moi. J'ai cru que c'était chez moi. Voilà. Et voilà. Évaluer cette mémoire, bah c'était nul. Non, c'était un peu simple. Voilà, on va dire ça. Plutôt dire que c'était nul, on va dire que c'était un peu simple. On va protéger les habitants. Voilà, ça c'est fait. Merci les gens, mon plaisir. Attends, on a 15 000 balles, c'est la richesse. Mais c'est la richesse totale. Parce que 16 000. Parce que 16 000 balles, putain, c'est... Voilà un objet à la cible indiquée. Ah, ça déjà, ça change un peu plus. On va faire une petite dernière. Alors, soit il faut assassiner, soit il faut voler. C'est un peu simple quand même, comme mission. Hein, faut arrêter de déconner. De toute façon, parce que là, je vais passer devant. Un petit coffre gratuit. Voilà. Affaire et plaisir, débloquer un petit succès. Parce que ça doit être parce que j'ai gagné beaucoup d'argent. Il y avait une petite mission là. Ils sont un peu plus élaborés quand même, les missions en grise, mais en bleu comme ça. Elles sont un peu simplettes. Alors il faut que je vole à qui ? Donc il faut voler, donc il est en jaune, c'est-à-dire qu'il faut pas le tuer. Il va forcément se déplacer, à mon avis. C'est bon, je peux le tuer. C'est bon, je peux le tuer. 3500 balles pour avoir volé un truc, tain, ça tirait à prendre plus d'argent en volant. Quand tu en les gens, quoi. C'est incroyable, ça. Allez, dernier petit coffre, et on s'arrête là pour cet épisode. 250 francs, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Tiens, on peut s'habiller comme des, comme une femme. Et ben voilà, Assassin's Creed. Oh, j'ai fait un truc que je n'avais pas le droit de faire. J'ai descendu une marche. Ah, ça c'est sûr. Quoi. Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Allez, on va faire ça. On va aider les citoyens. Oh, qu'est-ce que tu tues un citoyen français, toi? Non, j'ai raté ma balle. GG. GG. Ça, c'est du travail d'équipe. Moi, je lui ai un peu planté ma lame en plein dans tout le corps. Mais c'est pas grave. Bon, ben voilà. On fouille. Quoi? Je suis pas un voleur. Pas un voleur, ils sont morts. Donc c'est pas un vol. Tiens la dame. Ah merde. Ah je devais... Ouais j'étais en train de... D'accord, c'est en fonction de la vue de la caméra. Voilà. Donc on va s'arrêter ici pour cette aventure sur Assassin's Creed Unity, cet épisode. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, ça me fera extrêmement plaisir. N'hésitez pas non plus à commenter si vous avez quoi que ce soit à dire. Et moi, je vous dis donc à la prochaine pour la suite de nos aventures. Ah.
N'hésitez pas donc du coup à commenter si vous avez quoi que ce soit à dire. Et je vous dis donc à la prochaine sur ce dernier assassinat, voilà, de brigands dans la rue. Voilà. C'était le 23e sur 25 événement public à Pompéi. Voilà. Allez, je vous remercie encore une fois, je vous dis à la prochaine. Ciao. Un autre chien.